tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois tutoriels de pliage de serviettes. Un classique, un romantique et un chic pour toutes les occasions que vous pourrez rencontrer. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour commencer ces tutoriels, vous aurez besoin d'une serviette par personne. Je l'ai choisi noire et nous allons réaliser le pliage de serviette classique. Vous repérez le coin avec les plusieurs feuilles et vous le mettez en haut à droite. Vous prenez la première feuille et vous repliez pas tout à fait jusqu'au bout. Vous prenez ensuite la deuxième que vous allez passer en dessous et décaler un petit peu le pliage. Ensuite, la troisième et dernière feuille que vous allez aussi décaler légèrement. Essayez de garder à peu près le même espacement et puis la dernière reste ici. Vous retournez votre serviette vous pliez en trois en faisant passer cette partie là en dessous pour stabiliser. Et votre pliage serviette est terminé. Vous prenez vos couverts et vous les placez. Vous mettez ce pliage de serviette dans l'assiette ou à côté. Cela dépend de votre décoration de table et de ce que vous désirez le plus. Votre pliage de serviette classique est maintenant terminé. Pour le deuxième pliage, vous aurez aussi besoin d'une seule serviette par personne. Vous ouvrez votre serviette en grand, vous la pliez en deux dans la diagonale. Vous allez ensuite de la partie pliée rouler votre serviette. Vous commencez par un pli, ça sera plus facile. Et vous roulez la serviette. Pas entièrement. Vous vous arrêtez à peu près ici pour qu'il y ait une pointe comme ici. Et vous allez ensuite rouler cette partie déjà enroulée. Vous prenez cette partie ici et vous la glissez ici pour la stabiliser. Vous avez ici votre rose. Il vous suffit de déplier vos feuilles en faisant attention, délicatement, de les inverser ici et ici et vous obtenez votre rose avec des feuilles. Vous avez terminé votre pliage romantique. Pour le pliage chic, vous aurez besoin de deux serviettes de couleurs différentes et de la même taille pour chaque convive. Vous repérez où sont les coins avec les plusieurs feuilles et vous inversez
Par exemple, ici le noir avec les feuilles en haut à droite et le blanc avec les feuilles en bas à gauche. Les feuilles sont ici, vous les mettez donc sur les côtés. Vous pliez en deux vos feuilles. Et on va créer comme un accordéon de chaque côté. Vous espacez d'à peu près 2 cm ici. Comme ceci. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous prenez de la ficelle que vous passez sur les coins ici qui pourraient se décoller. Ne serrez pas trop, vous faites un double nœud. Et vous terminez avec un joli nœud. Vous pouvez très bien y accrocher une étiquette Bon Appétit. Vous allez maintenant repérer où sont vos quatre feuilles blanches et noires. Donc moi, elles sont ici. Vous les ouvrez toutes. Des deux côtés. Comme ceci. Votre pliage chic est maintenant terminé. Vous avez ici trois styles différents pour trois décorations de table différentes. Le classique est passe-partout, vous pouvez le mettre pour n'importe quelle occasion, que ce soit un événement chic ou bien tout à fait ordinaire. Le romantique sera un peu plus dédié au repas en amoureux. Et le chic pour vos événements comme le mariage ou tout événement où le chic est nécessaire. Je vous montre ici tous les pliages en version rapide. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire si ces pliages de serviettes vous plaisent. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.